s'est très bien passé. On a été dans des conditions optimales pour préparer ce match. On a passé une très bonne semaine de travail et on s'est bien entraîné pour essayer d'être au top samedi contre Exeter. On se sent bien, on se sent excité. Comme je l'ai dit, on a beaucoup travaillé pour en arriver là et on a vraiment à cœur de gagner ce match et de décrocher le premier titre de champion d'Europe pour le club. Donc voilà, beaucoup d'excitation et on a hâte d'y être. On est quand même dans une période assez particulière. Voilà, on essaie d'en faire un petit peu abstraction, mais c'est vrai que ça va être compliqué. On a la chance de jouer une finale de Coupe d'Europe, mais à huis clos, c'est un peu paradoxal. Donc on va se concentrer sur l'objectif de mettre une étoile sur le maillot. C'est une grande équipe qui monte en puissance depuis quelques années. C'est devenu la meilleure équipe en Angleterre. Et voilà, on l'a vu face au Stade Toulousain en demi-finale, une équipe qui a des joueurs extraordinaires dans toutes les lignes. Donc voilà, on se méfie beaucoup des Anglais, mais voilà, on a aussi beaucoup d'arguments à faire valoir et on a confiance en nous pour gagner ce match. Exeter, c'est une équipe avec la rigueur anglaise, mais avec un jeu assez huilier. On sait qu'ils mettent quand même pas mal de vitesse et pas mal de fantaisie. Donc on s'attend à une équipe complète, un gros match de phase finale. Ouais, comme tous les matchs de rugby, ça commence par la conquête, par les fondamentaux. Et évidemment, la discipline, avoir la tête froide sur ces matchs-là. Voilà, on a démontré pendant toute la campagne européenne qu'on était capable de développer du beau jeu et c'est ce qu'on va essayer de faire samedi. Bah, le fait de jouer la finale en début de saison, c'est vrai que c'est un petit peu particulier parce qu'on n'a pas l'habitude de jouer des matchs à tel enjeu aussitôt. Mais je crois qu'on a, encore une fois, c'est quelque chose qu'on a vite intégré, on en était conscient et on est vraiment à cœur de finir ce qu'on avait commencé l'an dernier. On a eu peu de matchs pour préparer cette finale, mais on a eu la chance d'avoir un groupe qui n'a pas beaucoup changé, on est dans la continuité, donc je ne suis pas très inquiet là-dessus. C'est des conditions particulières, un match particulier, il y a tout qui est un petit peu bizarre. Mais tout le monde est très excité par ce début de saison, la chance de pouvoir jouer une finale, donc on ne va pas chercher d'excuses.